De retour dans le circuit français 2018, l'Open Tour organisé par Riot. Les 16e de finale, voilà, on a suivi même un match et demi des 32e qui va se jouer entre Vitality Academy et Looking for Structure, voilà, qui vont s'affronter, eh bien, pour savoir qui avance. Voilà, on rappelle un petit peu les enjeux de ce qualifier. Tout d'abord et surtout les points de circuit. Voilà, donc ceux déjà qui se qualifient, le premier qui se qualifie, donc qui arrivera seed 1 après la finale, gagnera 100 points de circuit, sachant qu'arriver premier d'une étape offline, c'est 550 points. C'est-à-dire que tout de même, juste déjà dès le qualifier, déjà en fait, c'est plus intéressant pour les grosses équipes de passer par le qualifier, gagner le qualifier et ensuite gagner la suite de la compétition. Et ensuite, en plus, il y aura bien les frais de défraiement qui sont proposés par Riot, mais surtout voilà, l'accès à la coupe pan-européenne. Avec, alors, on ne connaît pas exactement le format final, de toute façon il se jouera en décembre, donc on aura le temps à mon avis de l'aborder. Je pense que ce sera Riot qui donnera les infos, mais d'après les bruits de couloir, on vous donne les bruits de couloir, c'est a priori, ça ressemblerait à les deux meilleures équipes de chaque région qui rentreraient dans cette coupe. Cool, super. Très bien, en tout cas, moi j'ai vu rapidement les résultats des votes pour le MVP de la game précédente, enfin de la demi-game précédente, et je suis assez fier de vous, le chat. C'est bien. Ouais, donc Kroris a plus de 50%, donc effectivement, passer du 0-8 au 12-9 en l'espace de 10 minutes, avec un quadra kill, un triple kill d'ailleurs, sur deux combats. C'était assez impressionnant, donc on va pas tarder à rentrer dans la draft. Donc, en termes de conditions, alors Vitality Academy, c'est la première fois qu'on va pouvoir voir compétitivement l'équipe de Vitality Academy jouer. Alors pas sur scène, puisqu'on reste sur du qualifier online, mais si jamais ils arrivent à performer. Et normalement, voilà, la grosse équipe, c'est eux. Pourquoi c'est eux? Parce que notamment, il y a Chemek qui est là, Glopo. Tu me parlais de Chemek. Oui, alors Chemek, j'ai pu commenter effectivement assez souvent durant les LAN, notamment, comme je le disais, lors de la Gamers Assembly. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, Chemek, et je suis très curieux, en fait, je le suis depuis un moment, de loin, et je suis très curieux de voir du coup comment il va évoluer au sein de cette nouvelle team. Parce que bon, c'est vrai qu'ils ont fait du super taf du côté des Gamers Origins. Maintenant, il y a du nouveau, et on va jeter un œil sur l'autre équipe, Neat Structure. Alors, moins connu, je connais moins. Moins connu, Diamond, Stalios, NVPAC, C-Rock, The Savior, pendant qu'on va bientôt rentrer dans la draft. Alors, en termes d'infos, donc Diamond qui est le chef, le shotcaller et chef de cette équipe. Voilà, donc beaucoup de chaînes, beaucoup de Maokai. Du côté de Stalios, on nous a donné l'info que c'est du spam de Zach. Nunu. Et Zach. Et Zach. Et Zach, c'est vrai, Nunu. Mais Zach. En règle plus générale, mais depuis le 8.2, c'est du spam Nunu. Ça peut se comprendre. Donc, c'est le bref qu'il a pris, ça peut se comprendre. Oui. On va attendre. Ouais. Zach Nunu, ouais. Effectivement. En termes de synergie, à quoi on peut s'attendre avec ce Nunu? Ben, en fait, ouais, avec ce Nunu, effectivement, ben, on a le scaling, on a le boost de ratio AP et d'attack speed avec le Sancho. Alors Glopo, pendant que effectivement la phase de draft, ça y est prête, on va rentrer dans la game. Donc effectivement le Sancho. Oui, pardon, le Sancho de Nunu, donc qui permet non seulement un buff d'attack speed, mais également d'AP. Et on a discuté tout à l'heure avec Croc, qui avait fait la réflexion très intelligente, que ça, à mon avis, le midlaner à qui ça profiterait le plus, ce serait Azir. Attack speed plus AP, forcément. 40% d'AP, ce qui est pas négligeable. Et d'ailleurs, voilà. Du côté de Vitality Academy, dédicace à Croc, on pense à toi. Ban de Zoé contre Abedague, une grosse équipe tactique chez Mec, l'ancien donc top laner et leader de Gamers Origin. NG qui sort de la Asus Rock School, dont on nous dit que vraiment c'est un des joueurs montants de la scène. Yuki, on a l'habitude de connaître. Abedague, maintenant pareil, il a assez saigné. Donc si jamais Neat Structure arrive à passer Vitality Academy, c'est un très très bon signe pour eux. Ouais, c'est signé. Et d'ailleurs, Neat Structure, donc concrètement, c'est un appel à hey, les mecs, on est bon, recrutez-nous. Cependant qu'on a le first pick qui vient d'être exécuté et on va verrouiller la Tristana. A noter que sur la première phase de ban, on est parti quand même sur Azir, Ryze, Zoé, 3 midlaners du côté des Neat Structure. Donc on veut verrouiller le midlaner Abedague de la compo Vitality. Alors pour l'instant, eh bien, on a bien fait ses devoirs maison parce qu'on est sur des compos méta. Voilà, c'est Juani côté Stalios, hein, le jungler tank actuel le plus prisé dans League of Legends.
à un time cage. Donc là, on a des tanks, une frontline chez une structure. Il n'y a plus qu'à insérer des DPS. Exactement. On peut faire à peu près ce qu'on veut à partir de ça. Insert DPS here. Voilà, c'est ça. Et en face, on a Jar 24. Bonne réponse à ce Joanie, je pense. Ça se tient tout à fait. Et on partirait sur un Braum avec la Kalista. Ouais, Braum Kalista, donc c'est très dur à sortir de lane, ouais. C'est extrêmement fort, ça trade. À savoir si Dreams va choisir de partir à l'embrasement pour faire de la domination. Embrasement, je vois plus, ouais. Donc alors, généralement c'est gardien qui est pris, mais l'après-coup peut être envisageable. Sur un embrasement, effectivement, l'après-coup aurait un petit peu plus de synergie, enfin une synergie un peu plus intéressante. Et là, on est entré dans la seconde phase, on a terminé la seconde phase de ban et on a banni, le fameux ban Yorick qu'on attendait tous. Évidemment, absolument. Évidemment. Bon, par contre, Camille, Gnar, c'est plus logique. C'est un bug d'affichage de la draft, hein. Je pense. Le ban Yorick n'est pas un ban Yorick et le pic Yorick n'est pas forcément un pic Yorick. Je vois pas Yuki. Oui, non, ceci dit. C'est un bug qui arrive de temps en temps et bien on verra pendant par contre, la game. Tu parlais de DPS, tu demandais du DPS, la noix, tu en as, il n'y a aucun problème. Par contre, énormément de dégâts magiques là, dans la compo des nids de structure pour le moment. Il y a Tristana. Il n'y a que Tristana. Ah, donc Yorick est un gangplank. Voilà. On nous dit dans l'oreillette qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Et Yorick est un gangplank. Et une Talia. Ce sera à mon avis Vlad Top et Talia Mid. C'est très sensible au casque adaptatif tout ça. Ouais. Ah oui. Beaucoup, comme je le disais, beaucoup de dégâts magiques dans la compo des nids de structure. La réponse du berger à la bergère. Kassadin mid pour Abedague, c'est un pic extrêmement fort, dur à mettre en place. On a un scaling qui est extrêmement fort du côté Vitality Academy, Gangplank, Klepto, même si ça a été nerf en 8.2. J'aime beaucoup leur compo du côté des Vitality, ça fait sens. On a du scaling, on a du dégât, on a une botlane qui peut potentiellement être très agressif et ouvrir le jeu sur le botside qui, à mon avis, très important dans la méta actuelle. Et on a un GP top avec Shemek qui va pouvoir scale pendant que le jeu potentiellement se crée sur le bot side. Et ça là c'est quelque chose qu'on peut revoir assez souvent, je pense même dans le sommet de la compétition LCS, je fais un petit parallèle, excusez-moi, mais c'est donc on a une équipe plutôt early mid pour une structure qui va devoir déranger et Vitality qui est peut-être le grand favori dans cette rencontre. Ils ont pris des lignes qui sont pas forcément évidentes à jouer, mais ils vont compter sur leurs individualités pour juste tenir un début de partie qui peut être un peu compliqué parce qu'ils peuvent rapidement se faire submerger. Gangplank, alors ça va qu'ils ont Jarvan qui est un jungler fort qui va pouvoir réceptionner ses Juanis. Bonne réponse à ses Juanis. Mais Vladimir peut rouler sur Gangplank. Le 2 contre 2 peut être très dur à gérer. Ouais. Bref, ni structure, ils ont une composition pas forcément évidente à mettre en place, mais ils ont les armes pour snowball et prendre l'avantage et ne pas le laisser. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Oui, effectivement, on n'est pas à l'abri de surprise. Il va falloir que la compo des Vitality soit attentive face à ces challengers. Et j'ai hâte de voir comment ils vont dérouler leur jeu sur le papier, mais encore une fois, oui, j'aime bien cette compo qui est assez intéressante. Bah, c'est... Bien sûr... je pense que c'est, en tout cas, c'est dans ma culture. Je sais pas si je peux généraliser par culture française, mais de toujours soutenir un peu l'underdog. Ouais, je te suis voilà, le challenger. On aime voir le petit pousser remonter, faire la surprise face aux géants. Et donc voilà, tous mes vœux d'encouragement pour les nids de structure. Exact. De toute façon, on souhaite le meilleur aux deux équipes et la game qui démarre maintenant. Alors, à noter que la Talia fait le choix de partir sur le soin, là où Kassav part sur TP, ce qui est un choix assez logique parce que Kassadin va subir le match-up dans les premiers niveaux. Tant qu'il n'aura pas son niveau 6, à chaque fois qu'il va vouloir aller chercher un last hit, il va être puni, que ce soit par les auto-attaques ou le Q-spell de Talia. Donc le TP qui permet de faire un back et de revenir rapidement sur la lane, chercher ce catalyst qui va l'aider à tenir cette lane qui en early sera pas évidente pour lui. Et du coup voilà, pour prendre les matchs ligne par ligne, on a une ligne qui push au top, on a une ligne qui push au mid et on a un jungler fort. Donc le trio top, jungle, mid qui normalement doit, et c'est bien, je souligne le doit, c'est pas peu, c'est ils doivent prendre l'avantage. Conditions de victoire comme on les appelle, effectivement. Prendre l'avantage et le faire snowball, que ce soit sur de la prise d'information deep dans la jungle adverse et du coup la sécurisation d'objectifs neutres, voire de T1.
Je pense notamment au bot side. Ouais. Faire des rotations intéressantes, c'est l'utilité du Pictalia. D'ailleurs, on est parti sur un double embrasement de chaque côté. Ça me plaît. On va voir les runes qui vont être remises un petit peu. On pourra voir si Dreams est parti sur Gardien ou sur Aftershock. Après, vu qu'il n'y a pas beaucoup de protection pour cette Kalista, on n'a pas une grosse frontline, un Jarvan, on ne va pas dire que c'est une grosse ligne de tank. Je vois bien Dreams partir sur quelque chose d'assez défensif pour aider. Ce serait logique. Pour aider sa Kalista. Parce qu'on voit plutôt Jarvan effectivement aller dans la mêlée, là où Brom aura, il mettra un ulti pour le suivre, mais ensuite il aura plutôt un rôle de peel en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'avait pas souligné à la partie précédente, mais les modifications sur les Targons, eh bien on est repassé, ça y est, on est repassé au Doran Shield. C'est Golden Time. Effectivement, le retour au bon vieux Doran Shield. Qui n'était pas resté très longtemps, remplacé rapidement par le Targon, comme tu le soulignes, avec le overheal et... Il a fait une saison, ouais. Une intersaison avant de laisser sa place au Targon. Voilà, c'est exact. Et donc on a les deux junglers qui sont dirigent vers le top site. Jarvan qui semble avoir un petit peu d'avance, il a décidé de ne pas faire ses loups. Ça c'est très intéressant de noter ce que fait Gazua là-dessus, il a fait le choix de ne pas faire 3 camps et Stalios qui est présent et qui a pris l'information. Ah, il veut pas prendre le combat, sa midlane push, je pense qu'il aurait pu essayer de contester Scarpater. Ouais. Il avait le red buff, ce qui est le plus important pour ce trade, il est assez résistant. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu, mais on préfère la jouer safe, on préfère jouer sur des timings maîtrisés côté Nidstructure. Effectivement, ce choix de la part de Jarvan d'aller chercher ce Scarpater très tôt, il en dit long sur son objectif de protéger ses laners qui, comme tu le soulignais tout à l'heure, peuvent être un petit peu exposés dans les premières minutes de la partie. Là, il faut protéger le gangplank. Hein. Encore, bon, le Kassadin, il a une téléportation. Enfin, les deux ont une téléportation. Mais la ligne du milieu étant un peu plus courte, exact. C'est plus dur de venir gank sur cette ligne du milieu. Après, rien n'est impossible à une Sejuani. Surtout que Abedague est parti à la téléportation et non pas à la purge. Mmh. Donc, très sensible avant niveau 6 au gank de Sejuani. Il est vrai. Alors, point extrêmement important à noter, le premier Drake est un dragon infernal. Donc, c'est pas le genre de dragon qu'on va laisser filer trop facilement. Alors, il va falloir garder un œil là-dessus. Et le gank de la part de Gazua là-dessus qui va forcer le flash shot, back, oui, qui met un bon bump, mais qui flash quand même derrière. Il a raison, je pense. C'est dommage, il met un petit peu de pression, il n'avait pas la vision sur les bot sides. Son jungler était de l'autre côté. Petite erreur de positionnement de la part de Pac là-dessus et c'est sanctionné immédiatement par Gazua. Et bon, on voit le travail. Il revient. Vitality, oh, il revient, il n'y a plus de flash. Il y a le heal, il y a encore le heal, mais c'est bon, cette fois-ci il s'en doute, Pac. Et il était collé sur la gauche. Hein. Exact, mais cette fois-ci il s'est mieux positionné. Ouais. C'est là où on voit, bon, bah, Vitality c'est quasiment des pros, même on pourrait dire que c'est des pros. Là où certaines structures peuvent être qualifiées de semi-pro, il y a, on va dire, amateur, semi-pro et pro. Vitality c'est ce qui se rapproche le plus d'une team pro. Ouais, Yuki qui arrive de LCS. Voilà, c'est des joueurs qui ont de la bouteille, c'est Vitality, donc en plus on c'est une structure française qui a un beau projet sportif. Et on sent au niveau de la vision en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est la vision qui est prise. Et en parlant de vision, NG qui vient d'être scout par cette ward dans le tribush et les deux junglers qui rôdent autour de ce Drake infernal et de cette botlane. On l'avait senti venir que ça se jouerait un petit peu ici et encore une fois, Stalios qui concède ce Carapater. Ouais, c'est récupéré. Hein. NG qui impose son rythme dans la jungle sur un bon timing de back. Ce serait pas étonnant qu'il reparte vers le top side, vers le côté haut pour venir gêner un peu ou en tout cas aider dépanner Chemek. C'est ça. Chemek qui s'en sort très très bien. Égalité au creep pour le moment. Et pour le moment, la compo du blue side qui a du mal à remplir les conditions de victoire que tu avais fixées. On voit. Faut attendre un petit peu. Attention, l'embrassement de la part de Daemon qui porte. Il suffisait que t'en parles. Le flash out. Si t'en parles, donc ça arrive. Et voilà, plus de flash. Et voilà, donc NG devrait effectivement revenir. Et c'est pas facile, hein, Daemon. Il commence pas cet open tour, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont été joués avant. Mais là, c'est le moment où t'arrives contre Chemek, un des meilleurs top laners français. Le heal qui est maintenant utilisé par Pac, le bon combo bump. Et le first blood, Glopo qui non, va oui. tomber. Oh, oh, oh ils ont voulu trop bien faire. Ils ont voulu trop bien faire, c'est dommage. Il a voulu laisser le kill à son mid laner. Et là, c'est doublement raté parce que non seulement c'est Jarvan qui récupère le kill, mais en plus de ça, il trade un pour un. Il s'en sort bien, Pac, là-dessus. Hein. Il s'en sort bien. Voilà, qui dit, nous ne sommes pas gratuits. Exact. Exact. Il va falloir aller les chercher, ces kills. Il va falloir nous respecter.
Et ça joue vraiment pas mal. Hein. Ouais. Alors ça souffre un peu au niveau de Sveissa, mais bon, on est en train d'affronter un joueur LCS. Mais ouais, sur les autres lignes, pour l'instant, au niveau du farming, c'est bon. Au niveau du map control, voilà, on est en train de repositionner des balises, histoire de garder la vision. Par contre, NG, sur les carapateurs, il est numéro 1. Ouais, effectivement. C'est Johnny qui ne les a pas contestés. Et même au niveau des ganks, hein, on voit qu'il a mis beaucoup plus de pression. Il a déjà forcé 2 summoners sur le mid. Et on va revoir le First Blood sur cette mid lane. Alors, le flash-in de la part de NG, immédiatement, qui applique le slow, qui force le heal de Pac. Il tente les jukes. Et là, ouais, on sent, il met pas le coup, NG. Et il ne l'aurait pas mis, je pense que Pac ne serait pas mort et qu'il aurait tué Kassadin. Ouais, mais ça aurait été désastreux. Hein. Je pense aussi, ouais. Ouais, c'est dommage. Ils ont voulu trop bien faire. Mais il va falloir respecter un petit peu plus la compo des Nid Structure, très clairement. Alors d'ailleurs, justement, les runes, donc double gardien, jeu de jambes pour Syrok, comète, jeu de jambes, le grimoire déchaîné. Donc pour l'instant, on est sur du classique. Tout est logique, ouais. Rien de bien exotique pour le moment. Alors là, c'est intéressant de noter que Jarvan a fait le choix de partir sur le top side. On est quand même à la 7ème minute de jeu. On s'approche dangereusement de l'ulti sur Sejuani qui va peut-être tenter un play sur la botlane. Là, on a toujours ce dragon infernal qui est intéressant et qui est important. Ouais, il y a l'ulti Gangplank, hein, il y a l'ulti de chez Mech qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où on attend que Pac push, décale en surfant sur les pierres et vienne aux côtés, exact, de la botlane avec effectivement le gang de Stalios. Oui, mais certes, il y a l'ulti de chez Mech, mais chez Mech n'a pas cette téléportation actuellement. Là où Diamond, lui, sur son Vladimir, là. Donc on a potentiellement quand même beaucoup de présence sur les bot sites en faveur des Nid Structure qui ont peut-être une carte à jouer à ce moment de la game. Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment là, ce moment. Donc la première phase de lane, donc la toute première avant le premier bac, où il n'y a pas encore assez de stuff, il n'y a pas encore les summoners et tu veux pas bouger de ta ligne parce que ça donne trop de désavantages. Par contre, là maintenant, il faut que ça pousse au top, au mid, et effectivement utiliser ce push pour au moins, même si on prend pas de kill, faire back la bot lane et prendre le dragon infernal. Et d'ailleurs, je crois que c'est NG qui est en train de rôder au niveau de ce dragon infernal. Ils s'en doutent, NG, ils le savent à mon avis, du côté de la compo des Vitality. Ils savent que là c'est un moment crucial dans la game, enfin en tout cas l'un des premiers points cruciaux de la game, c'est ce timing de dragon infernal. Alors que Shemek a claqué son flash tout à l'heure, il subit un petit peu le push de Vlad qui a, comme tu le disais, une opportunité à mon avis de TP sur le bot side, de créer du jeu. En tout cas, c'est ce qu'on attend de la part des Nid Structure. Il y a le revolver X-Tech qui est fait, hein. C'est un très bon objet de laning. Ça rajoute très ce fort, petit, ouais, supplément de dégâts en haras, un peu d'AP, enfin c'est du tout bon pour Vlad. Et derrière, forcément, la proto-belt qui va arriver. Et donc voilà, ça push au top. Donc là, les conditions commencent à être à peu près réunies. Maintenant, Pac, il faut pas qu'il hésite. NG qui revient encore sur la mid lane. Il y a les summoners sur Pac qui va claquer son flash et conserver son heal. Ouais, mais voilà, c'est la pression permanente de NG. On les laisse pas créer le jeu, les Nid Structure. Voilà, le but, c'est de les déranger au maximum. Et c'est le moment. Ils ont peut-être pas l'habitude encore, parce que pour l'instant, je trouve que ça joue très bien. Franchement, c'est une très bonne surprise, ouais, les Nid Structure. Mais voilà, il faut dépasser ce stress de la compète et il faut oser. Se mettre dans le jeu. C'est le secret, il faut oser. Jouer, il est vrai. Et Pac qui annule le back du midlaner de Abedagi et la Stalios qui est en position pour peut-être faire un move sur le bot side. Mais il est passé sur le carapateur Stalios. Donc ils ont l'information du côté des Vitality. À mon avis, ils vont pas overextend. Non, attention, le dashing, le cataclysme qui force le heal, mais ça ne suffira pas. Et cependant, on engage de la part de Stalios qui vient mettre le stun directement sur Braum qui va être ulti par Kalista. C'est tellement. Pour pouvoir désengager. Attention, on réengage derrière Dreams. Un petit peu ballsy. La dévoration, peut-être le flash in et le flash out de Dreams. Et on n'aura rien. C'est très très dur à gank au niveau 6. Parce que voilà, tu focus le Braum, la Kalista le récupère, tu focus la Kalista, le Braum pile. Donc c'est très compliqué et je pense que c'est un gang qui nécessite d'être 4. Parce qu'en plus c'est résistant, donc ça manque peut-être encore un peu de dégâts à 10 minutes de jeu. Ouais. C'est dommage, ils ont un petit peu forcé ce move effectivement sur la botlane. Et du coup, les conditions d'un TP de Vladimir en éventuel backup n'étaient pas réunies. Et donc on grille cette ulti du côté de Sejuani. Après, on force quand même le flash de Braum et l'ulti de Kalista.
Ouais, ça donne au moins la sécurité à C-Rock de ne pas se prendre une agression un peu énervée et de continuer de pouvoir farm. Mais voilà, Vitality qui commence à prendre l'ascendant, donc on a un peu devant farming en bot side. Au top, certes, il y a un désavantage pour chez Mech, mais malheureusement, on sait ce que ça donne avec les barils et avec la klepto. Donc, c'est le moment où, voilà, où il faut faire bouger les choses. Ne faites pas une optique gaming. Et Dieu sait si j'aime optique gaming. S'il vous plaît. Voilà, là, il faut se battre. Alors, point très important à noter également, les manteaux de résistance magique sur GP, sur Kassadin, sur Brome, qui viennent stacker de la résistance magique, comme je l'avais annoncé pendant la draft. Beaucoup, beaucoup de dégâts magiques dans la compo d'un instructeur. Et là, on voit l'ex-drinker qui est prêt sur chez Mech. Et on voit que ça part résistance magique également sur Jarvan. On part, à mon avis, sur des Mercury. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire des dégâts au bout d'un moment pour les... Pour les nids de structure, ils ont intérêt à ce que leur Tristana soit bien dans la game, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment. Elle est 30 creeps derrière. On n'arrive pas du côté de Stalios. Stalios se fait tellement détruire sa jungle par NG, invade, warder sa jungle, qu'il n'arrive pas à trouver l'élément de surprise sur ses décalages. Et voilà, encore une fois, là on le voit. La en double plus, il y a Abedagueux qui est niveau 10, qui arrive à prendre la pression et l'ascendant sur la mid lane grâce à l'aide qui lui a été offerte. Et on invade, et on invade. On va avoir du jeu là. On va avoir du jeu aux alentours de ce Red buff qui vient de réapparaître sur le bot side, et à mon avis on va le contester, la duo mid jungle des Vitality appuyée très certainement par la suite par leur bot lane, et ça va peut-être débloquer le Drake dans la foulée. Là on voit un NG qui continue de roder, qui supprime le map control des nid structure. Là quelle va être la réponse des nid structure? Est-ce qu'on abandonne ce raid ou est-ce qu'on essaie de le contester, sachant que Talia n'est pas présente sur le move? Oh, il y va, Stalios. Forcé à dash out, qui prend de gros dégâts de la part d'Abedagui là-dessus. Il arrive, il décale, on le concede. Mais je pense qu'ils peuvent même pas prendre le 2 contre 2 là maintenant, ils ont pris un peu trop de retard. Donc en fait, pour éviter cette situation, faut juste spammer le Q spell sur les yeux. Le flash in de la part de NG qui va mettre le cataclysme sur Pac. Le dash in d'Abedagui derrière dans la foule et qui prend le bump, et ça ne suffira pas cette fois-ci. Pac là qui est trop derrière. Ah, ils sont tombés sur un gros morceau, les nids structures. Il n'y a pas de pitié qui est fait du côté de Vitality Academy. Lucky qui met la protobelt à côté. Il a la transfusion. Il a la transfusion avec les dégâts. Ne pas oublier, il y a l'ex-drinker. Exact. Et il met même pas son ulti chez Mech, il est confiant. Aïe, chez Mech, quelle maîtrise de cette top lane. La transfu peut-être. Non, il n'était pas encore revenu. Chez Mech qui a été, comme tu l'as dit, sans froid tout le long. Il savait ce qu'il faisait de A à Z sur cette action. Et ça y est, le match-up qui s'est inversé. L'ex-drinker qui suffit à faire la différence. Cette marge de sécurité, de toute façon il sait que tant que l'ex-drinker n'est pas apparu, il n'a pas besoin de se stresser, et il a même essayé de grid son ulti. Exact, pour pouvoir backuper sa botlane chez Mech, dans toute sa splendeur, le top laner de cette nouvelle line-up Vitality. Et du coup là tout marche pour Vitality, la cerise sur le gâteau, il faudrait ce dragon infernal maintenant, même au niveau du héros de la faille, le gangplank qui veut farm, le Kassadin, c'est pas non plus un extrêmement bon pusher de ligne, donc je vois plus un décalage de la botlane, surtout quand on a une Kalista et qu'on a l'extirpation, c'est dommage de ne pas s'en servir. Effectivement, c'est vrai qu'un swap lane pourrait être intéressant, mais pour le moment c'est hors de question. Tant que ce Drake infernal sera up, on ne peut pas se permettre d'envoyer la botlane sur le topside, c'est normal. Stalios qui va donner le blue buff à son mid laner, symétrie parfaite, on voit du côté des Vitality qu'ils font de même, et là ça ping pas mal le dragon infernal. On voit qu'ils sont 4 les joueurs Vitality autour de ce dragon. Et il y a l'info, attention, à la Sejuani, Glopos, si Stalios se montre au top, et d'ailleurs c'est le cas. Elle n'est pas encore vue, il n'y a pas de ward dans le pre-bush, mais il est tombé. Il est tombé, ce Drake Infernal. Il a été fait rapidement, ni vu ni connu, et ça c'est une erreur de la part du jungler, des Nid Structure, qui était topside, et il faudrait récupérer ce kill, ou au moins c'était un top, pour contrebalancer la perte de cet objectif. Ça joue bien, ils ont des yeux derrière le dos, Vitality, derrière la tête même, si on veut l'expression bonne, mais derrière, ils prennent ça, ils vont en plus avancer sur la tour au milieu. Le first blood de tour peut-être? Non, ça va être récupéré mid peut-être, je ne sais pas, là c'est la course, il faudrait pouvoir voir les deux barres de vie, et ça va tomber mid, et là c'est désastreux pour les nid structure, qui sont en train de se faire bouffer du point de vue de la macro. Et d'ailleurs il y a une rotation, là c'est la duo lane qui va trinquer. Aïe, mais ils le sentent venir, ils sont en train de reculer, ils vont arriver sous leur T2, ils devraient être safe. Néanmoins, c'était un bot qui va tomber. Et pendant ce temps-là, on a un trade base, mais il y a chez Mech qui est seul en train d'essayer de défendre sa T2 top. Il a bientôt son ulti, ça veut dire que de toute façon, on pourra, même si par miracle, je pense pas qu'on aura le temps de prendre la T2. Et voilà, il y a une téléportation sur le top side. Pour backup chez Mech, qui vient de prendre
l'étourdissement, il claque la stopwatch pour temporiser le flash out de Stagg, ça ne suffira pas, le kill sera récupéré sur Kassadin, et derrière c'est la débâcle d'Aemon qui est un petit peu isolé, Pac qui vient mettre son Q-spell pour essayer de mettre des dégâts sur Abedag, et malheureusement il manque de dégâts, trop de résistance magique sur ce midlaner qui vient récupérer un second kill et qui entame la chaise sur Pac, il va reculer, il va tous les récupérer, peut-être le troisième kill d'Abedag là-dessus, le flash out de Pac malheureusement c'est illusoire et c'est un triple kill sur le midlaner de Vitality. Kassadin qui n'avait qu'un bâton séculaire. Ça sent pas bon, Noah. Ça sent vraiment pas bon. 5 kills sur le midlaner des Vitality. Ah, qui s'envole, il va récupérer du stuff. On a pris toutes les. Enfin, toutes les T1. Non, s'il reste la T1 au top, mais chez mec, va s'en occuper. Certes, il a retardé sa trinité pour avoir le X-Rinker, mais quelle sécurité mais ça lui a. À quel point il a bien fait de le faire. On l'a vu sur cette action où le dive, ça a pris un temps fou et il en est même pas mort. Ouais. Stopwatch, ulti, X-Rinker. Téléportation d'Abedag. Agrume, tout ce que tu veux. L'orange, il y avait tout. Il y avait tout. Ah, c'est dur. Hein. Ni structure, pareil. Hein, c'est dommage. Ils ont réussi à avancer jusqu'à ce niveau-là de la compétition. Et très là, très beau potentiel, mais là, oui, comme tu le dis. Ça joue bien, ça joue vraiment bien, ce début de partie. Des petites erreurs de macro game qui, contre une équipe comme Vitality, malheureusement, ça se fait sanctionner trop fort. C'est bon, enfin, il y a du joueur LCS. Hein. Ouais, c'est clair, bien sûr. Mais la draft est bonne, oui. La draft, je pense, aurait pu être bien menée, c'est juste que trop de pression, enfin NG surtout. Ouais. Hein. NG qui a mis énormément de pression sur la voie du milieu. Et ça paye, un Kassadin avec 5 kills. Et 30 creeps d'avance. Et un fléau de liche qui vient d'apparaître. Et un fléau de liche qui vient de spawn, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Et on avait annoncé hein, les Mercury sur GP, les Mercury sur Jarvan, sur Kassadin et sur Braum. Est-ce qu'ils ont même le temps d'aller sur plusieurs résistances magie? Ils vont prendre du dégât, ils vont avancer pour mettre des one-shots. À mon avis, ouais. Ils vont tous partir sur du dégât. Il n'y a que Braum qui devrait partir sur un égide de la Légion, ce qui serait parfaitement logique. Mais au-delà de ça, non, là, ils ont suffisamment de résistances magiques, dans la mesure où ils ont quand même 7000 PO d'avance, ou 7000 pièces d'or, selon préférence. Et là, on voit que ben, la pression se déplace, elle a quitté le bot side, et maintenant, les Vitality sont en train d'installer un siège sur le top side. Ils ont envoyé de la botlane. Et Abedag qui va arriver, Stalios, il y a 4 niveaux de différence entre le jungler le flash et le midlaner. Est-ce qu'on part sur le dive? Il y a un TP sur Vlad, est-ce qu'il va venir Vlad? Non. Savage! Ah, la roquette, on repousse le monde avec l'ulti de Syrok, mais voilà, c'est malheureusement Kalista, Kassadin. Trop de mobilité, ah, on prendra un kill sur NG et une tour qui tombe sur la mid lane. C'est Shemek qui ne laisse aucun répit. C'est très très propre pour Vitality. Oui. C'est parce que Shemek n'a pas de téléportation, mais il est parti mettre de la pression mid. Et donc Vlad s'est retrouvé dans une Diamond sur son Vlad, s'est retrouvé dans une situation où il laissait sa team mourir top et il allait défendre cette T2 mid, ou il allait les aider top et il perdait une T2 mid. Et là, ben, Shemek qui même sans téléportation parvient à avoir l'avantage de la pression sur la macro game. Ouais, et il a toujours cette ulti hein, à lancer dans... Sous le coude, sous le pied, effectivement. Et là, voilà, Trinité, X-Rinker, on a Warmog, Titan Cendré sur le tank, donc le tank est tanky. Sachant qu'on n'a rien pour venir, on n'a pas de Liandry, on n'a pas de BRK, on n'a rien vraiment pour venir gêner le pool de points de vie de NG. Donc NG peut se permettre à peu près n'importe quoi, il y a beaucoup de backup. Ouais. Et puis là en plus si on se met à focus NG ça va être désastreux hein, parce que avec la résistance magique qui est présente sur les carries, par les carries là en l'occurrence j'entends Shemek ainsi que Abedagi. Il n'y a personne qui est facile à tuer, c'est que Abedagi il a beaucoup de résistance magie. Et il part sur un zonier en plus. Il y a l'orange pour Gangplank, il y a la stopwatch pour plus le X-Rinker. Et en plus bon Kalista faut réussir à l'avoir. Dans la mêlée, et Diamond ne peut même pas, parce que normalement on serait à la limite le boulot de Diamond, pardon, et non Diamond, ouais, le jungler, l'ex-jungler, des M5, des Empire, des BenQ, et j'en passe. C'est à Diamond d'être là pour venir gêner Yuki, mais malheureusement il est compressé par Shemek, et il a du mal à venir participer au combat. Exact, très bonne pression du point de vue de la macro de la part de Shemek. Et là, on a le second Drake de cette partie qui va apparaître dans une trentaine de secondes. J'aimerais bien savoir de quel Drake il s'agit. Pour savoir s'ils peuvent se permettre de le concéder les Vitality pour essayer de faire scale cette Tristana qui, à mon avis, est la condition de victoire sur le very late game des Need Structure. Il va falloir y aller. Hein. Ouais. Mais... On arrivait dans la partie précédente. On a vu que tout était possible. Voilà, on est passé du rien au tout, plutôt, pour l'équipe de Kameto. 0-8.
Into 12-9. Et là, on a un duel qui est engagé de la part des deux top laners qui sont sur le bot side. De très gros dégâts de la part de Shemek qui subit l'ulti de Daemon. Malheureusement, il a trop de résistance magique, Shemek. Et il gagne ce trade, mais il a quand même pris beaucoup de dégâts. Ouais, ça tient, mais bon, voilà derrière. Et c'est un second Drake Infernal. Et là, du côté des Nid Structure, il faudrait pas le laisser, ce Drake, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas les armes pour. Ils peuvent même pas jouer le Smite déjà parce qu'on a Stalios qui est sous-expérimenté en termes de niveau. Ouais. Voilà, déjà il a un Smite qui est la moins rotation, fort. Et en plus, la part de pack, il y a l'extirpation. Ouais, et ouais, exact. Et donc c'est verrouillé, c'est archi verrouillé par Vitality. Deux dragons infernaux entre les mains de cette composition des Vitality qui a un scaling extrêmement intéressant. Là, même si la Tristana se met bien sur le late game, ça va être compliqué en termes de dégâts de tenir tête au potentiel de DPS qui est entre les mains de la compo des Vitality. Mmh. Vitality, chez Mekonti, il prend l'agent, il prend tout. Ah bah là. Là il se sert chez Mec, tel un seigneur sur ce bot site. J'avais jamais vu son gangplank, je crois, et pourtant j'en ai commenté des games de chez Mec. Alors moi je l'avais vu son gangplank, mais c'était pas encore ça à l'époque. Hein. Mais là je suis content de voir qu'il a step up sur ce pic. Les meilleurs, les bons joueurs, on a vu des joueurs incroyablement forts hein, être vraiment très nuls sur gangplank. Oui. Je pense à Pawn. Je pense même à Uni par exemple qui avait commencé avec un gangplank en réponse à Soaz et qui avait été mais nullissime et qui est maintenant son excellent gangplank. Voilà, gangplank c'est un coup de main à prendre. C'est vrai que la mécanique des barils est pas forcément hyper instinctive hein. Il faut quand même un petit peu pratiquer la chose et là on voit que le Nashor Dancing est en train de s'initier. Il a téléportation qui est prête sur les deux top laners. Malheureusement, est-ce que ça va servir à Daemon? On a vu sur la phase de jeu précédente, il n'a pas pu s'en servir et là on part peut-être sur un Ardengage sur Talios qui est forcé au flash out par le cataclysme de NG là-dessus. Mais on continue la chase, le bon bomb de la part de Pac. On a la téléportation de Daemon qui va arriver. Est-ce qu'on va disengage ou est-ce qu'on va go? On annule ce TP du côté de Daemon. En plus, pendant ce temps-là, il s'est pris des barils, hein, Daemon. Ouais. Il est en train de se faire surpoc par Shemek. Il est moins que midlife, ouais. Et d'ailleurs, ça va partir. Vitality vont commencer à mettre la pression autour du Nashor. Ils ont vu que leur top laner n'avait plus de TP et en plus subissait la pression. Et du coup, c'est le bon moment et on réengage un ulti de Dribs. Tu ne vas nulle part, Tamkench, avec cette CJUNI. Et ouais, là, on n'a pas la menace de Vlad. Et on a Shemek qui est présent. Shemek qui est présent partout sur la map sans utiliser sa TP, c'est quand même à noter. Et qui sert du coup ce Baron Nashor sur un plateau. Et ouais, effectivement, et là ça va être dur à défendre. Ouais. Ils peuvent tenter le all-in, les Nid Structure. De toute façon, il y a un moment... Soit le all-in maintenant, soit un catch sur la mise en place du siège qui va suivre. Et mais on tente le all-in. C'est l'heure du all-in, Daemon, la temporisation, la peste. On essaye de suivre, c'est un 4 contre 5. Mais malheureusement, ça ne suffira sans pas effet, parce que un peu dagueux. Sans effet pour les Nid Structure là-dessus. Triple kill sur Kassadin. Et c'est pas un ace, le support qui a survécu là-dessus. Et on va voir les inhibiteurs tomber comme des mouches sous les dégâts de la compo des Vitality qui ne prend pas la peine de prendre ce Baron Nashor. Non, ils sont un peu low en point de vie. Finalement, on temporise, ouais. Ils vont retourner instantanément, je pense. Ouais, c'est clair. Parce que de toute façon, il n'y a toujours pas de téléportation sur Daemon. Alors même si ça revient vite, hein, 210 secondes avec le grimoire déchaîné au lieu de 300. Donc c'est pas non plus la mort. Ouais. Cependant, c'est largement suffisant pour un nouveau Try Baron. Il est vrai. Il est vrai, le Zonia qui est complété sur Kassadin. Et même sur Kalista, on a l'Ex Drinker qui a été fait. Tu vois, la résistance magique qui est stackée partout. Ça, ouais, c'était en phase de draft, on l'a vu. Et malheureusement, Tristana qui n'a pas les armes pour punir ce stacking de résistance magique, en tout cas pour le moment. Exrinker, ceinturon de mercure hein, derrière. En plus, ouais. C'est... Là, oui. Inchoppable. Là, on doit approcher les 150 de résistance magique sur le carry AD, le Dashin d'Abedagi, qui sait qu'il n'y a pas les dégâts pour le tomber, donc il peut se permettre de dasher en 1 contre 2 comme ça, il ne sera pas puni. Il a éventuellement son Zonia si nécessaire, et à la fin du Zonia, on dash out tranquillement et on disengage tel un seigneur. C'est ça. Mais il y a... Il y a peu de possibilités de comeback hein, pour les Nid Structure. Là, la compo est vraiment très très bien montée. C'est, ils avaient fait ce pari. Hein. La compo, la draft était est loin d'être bête, bien au contraire hein, pour les Nid Structure. Mais malheureusement, pas suffisante pour battre une équipe du niveau, du top niveau France de Vitality. Hein. On les attend dans le top 4, top 5 français. Ouais, c'est ça. C'est ça, et l'ulti de Shemek qui coupe la retraite, qui donne un kill directement à son jungler, qui va forcer le dash out de la barre du carré et grâce au cataclysme et derrière en tente de disengage du côté de Pac. Malheureusement, il se trouve dans la tourmente en 1 contre 4 et il va tomber.
sous les coups de ce cassatin et chez Mec qui n'a toujours pas TP. Il a juste ulti derrière la composition et il continue de push. Il était à la T2. C'est suffisant. Non, mais c'est suffisant. Il n'a pas besoin de bouger d'ailleurs. On va enchaîner sur l'inhibiteur avec la vague de sbires. Alors, on ne pourra pas finir. L'inhibiteur le plus important qui tombe, celui du bot side, parce qu'il va ouvrir un free Nashor, mais est-ce qu'on va aller jusqu'au Nashor? Là, on part sur les tourelles du Nexus. Il y a la démolition. La TP d'Abedagi qui arrive. Ils sont 5 à taper cette tour qui va tomber très très rapidement. Oh. Et derrière, on a l'implosion du carry AD des 13-1 des Midstructure. 13-1 pour Abedagi. Il continue. Yuki, un kill aussi. La dernière tourelle du Nexus qui va tomber sous les coups. Vitality, le Zonia dans la fontaine. On ne respecte rien ni personne. Et on finit par un quasi-ace encore une fois. The Save You restera le seul survivant chez Nidstructure et on vient récupérer le Nexus. Il est coincé. Une victoire propre de Vitality. Coincé sur sa fontaine en train de contempler les points de vie de son Nexus. Fondre comme neige au soleil. Très 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 propre. Mais Nidstructure. Bonne surprise. Intéressant. Ouais, intéressant. À savoir si leurs résultats, ils sont arrivés donc jusqu'en 16e. Donc c'est pas mal du tout. Hein, dans les 32 meilleures équipes, sachant qu'il y en a eu des centaines. Est-ce que ça les poussera à s'inscrire à la Lyon eSport pour retenter leur chance dans les qualifiers offline? On verra. Pourquoi pas, je serais pas choqué. Équipe à suivre, garder un œil dessus, effectivement. Parce que comme tu l'as dit, une draft tout à fait honorable. Malheureusement, quelques erreurs macro-game, notamment du positionnement du jungler, qui leur coûte un petit peu l'avantage macro-game. Et derrière, ben, ça a déroulé. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir revu, parce que donc hier, on a eu une game optique contre TSM, et c'est à peu près la même chose, TSM avec une draft assez scaling, assez late game, optique avec une draft assez early game, et malheureusement, il y avait une différence de niveau, je pense, entre les laners, ce qui fait que même avec cette composition, ils n'ont pas eu... c'est des petits créneaux à prendre, hein. C'est vraiment... T'as 20-25 minutes pour faire la différence. Si tu les prends pas, derrière, c'est compliqué. Et là, c'est Vitality qui a fait la différence. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez voter pour le MVP de la partie. Dans le chat, vous tapez top, jungle, mid, ADC ou sup. Et après, eh bien, pendant la pause, on compte les votes et vous pouvez élire le MVP. Ça va nous amener, Glopo, sur le prochain match. On va passer donc dans les huitièmes de finale. Ce sera après une courte page de publicité. À tout de suite sur Gaming TV. Merci.